16 Lima Papa, maintenez 180, contactez Nantes 124 430, bonne arrivée. On maintient le C'est moi 180 ou et on l'avion? contacte Nantes 124 430 et merci beaucoup du Voilà. contrôle et très bonne fin de journée à vous, à bientôt. Bordeaux contrôle, Air France Hop. 201 au point stop, Donc, comme il vous pouvez voir, les amis, faut là, ils nous avaient, réaliser ils viennent me dire de faire attention parce qu'il y a un avion qui va arriver juste en face de nous sur la même route. Donc, on va bien 158 maintenir notre 150 180. à Air France, ça part bien. Et on se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo qui sera donc l'arrivée. Donc, on va bientôt commencer la descente, hein, comme vous pouvez le voir juste ici. Donc, je vais vous. On va même pas besoin de faire de coupure en fait, hein, on va y arriver très bientôt. Hein. Donc, je vous conseille toujours de contacter le contrôle un peu avant en disant la descente au cas où s'il y a des trafics qui parlent, comme ça vous avez le temps de descendre. Donc on va le contacter genre un petit peu avant. Et on va commencer Alors, notre kilo, approche à approche Nantes. whisky unité. Donc là on est Nantes approche. Donc là voyez les amis, on va bientôt commencer à descendre. Donc c'est la petite flèche qui descend là. Et on va le compter dès maintenant, comme ça on est sûr de ne pas être en retard dessus. Donc on va tout simplement lui dire Nantes approche, à Française Lima Papa, bonjour monsieur. On est prêt à débuter la descente et on est au niveau 180. Vous dites ça. Donc on est parti. Et Air France, Lima Papa, Nantes approche. Bonsoir monsieur, on est au niveau 180 et on est prêt à débuter la descente. Air France, Lima Papa, Nantes approche. Bonjour, identifié. Descendez niveau 070. On descend niveau 70, Air France, Lima Papa, merci. Donc là, on va. Il vient nous dire. Un guidage radar, il est sous 03. Et après voir un guidage radar, il y a les Zulu 03, Française Lima Papa. Donc là, vous pouvez voir, il nous a donné notre niveau à laquelle, auquel on doit descendre pour l'approche. Et il nous a aussi précisé un guidage radar. Donc, on va faire une les Zulu, ça je l'avais déjà rentré. Et guidage radar, ça veut dire qu'il va nous donner des caps. Donc il va nous donner un cap pour aller plus vite ou pour éviter un avion. Enfin, ça c'est lui qui gère. Donc, on descend niveau 70. Voilà. Je me mets en vitesse minimale d'approche. Pour information aussi, hein, vu que je l'entends là, vitesse minimale d'approche, ça veut dire que vous devez réduire à 140 nœuds à peu près avec les flaps full et tout. Donc c'est vraiment la vitesse minimale pour atterrir. Ça c'est en général quand vous avez un avion qui atterrit devant vous pour avoir le temps et l'espacement nécessaire pour pas qu'il y ait de conflit. Donc voilà. Donc là on va commencer notre petite descente au niveau 70. Air Française Lima Papa, votre vitesse 300 nœuds, Air Française Lima Papa. Pressure réduisée 250. On réduit 250, c'est Air Française Lima Papa. Donc là, vous voyez, il m'a demandé ma vitesse, il m'a demandé de réduire 250. Donc je mets 250 et Lima ici. Papa à gauche, cap 300. Et à gauche, cap 300, Air Française Lima Papa. Et là, je vais tourner à gauche, cap 300. Donc je vais rentrer 300 ici. 252 et 300. Tac. Hôtel Papa Whisky, la tour, et voilà. 150, bonne arrivée. Moi, normalement, là, je le marque aussi au cas où. Sinon, après, je peux oublier. Donc là, au moins, je le marque, je l'ai avec moi. Toujours avoir son petit bloc note, c'est super important. Française Lima Papa à droite, 350. A droite au 350, à Française Lima Papa. Donc 305, hop, vous voyez, à chaque fois je marque le cap pour pas l'oublier. Et au 350, tac.
petite correction de trajectoire sûrement. Donc là on a... C'est quelle ville en dessous? Parce que j'ai pas envie de dire des conneries donc je vais aller voir. Hop, ah, il y a eu un petit screenshot qui a été fait. Ah bah tiens, c'est moi, regardez. Donc là on est au-dessus de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, donc petite information, là vous avez la ville de Saint-Gilles-Croix-de-Ville. Petite dédicace à tous les abonnés qui habitent à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. On vous fait coucou depuis le cockpit. Alpha Air France, Lima Papa, à droite 030. À droite au 030, Air France, Lima Papa. Donc hop, 030. Donc 30 degrés. Tac. Là on tourne. Je vais m'avoir à droite 040, autorisé à approcher le piste 03, rappelez l'abri. À droite au 040, autorisé à approcher LS 03, rappel établi, Air France 16, Lima Papa. Hop, donc vous avez bien entendu à 040. Air France, bonjour, Air France 455 en croisière niveau 180. Il nous a aussi autorisé à l'ILS, donc c'est à dire qu'on a le droit de descendre comme on veut. Reçu, Air France 455. Donc comme vous dites autorisé à approcher LS, hein, vous pouvez descendre à l'altitude que vous voulez, vous avez le droit. Du moment que vous le rappelez établi, c'est bon. Donc là, on va réduire. Là, avec ma flèche, je vais essayer de tomber pile poil dessus. Donc on va faire du 1500 pieds minute. Et on va pouvoir réduire à 242. Tac. Et on va le rappeler établi. Donc quand on aura le capté, le lock, ça sera good. Là, ça va être très très bientôt. Même pour aller à 232. Comme ça, ça sera mieux. Je vais sortir, je vais allumer tout ça. Tac, tac, et tac. Voilà. La piste, bah, elle est juste là-bas. Regardez, on la voit, l'aéroport est juste là-bas. Air France 455, prévoyez la piste 03 sur Nantes et direct au Luçon. On va pouvoir activer le lock, comme ça en arme. Regardez, hop, lock est activé. C'est magnifique, tous les champs. Alors, comme je ça, 005. J'aime beaucoup. Après, j'ai pas mis mes graphismes au maximum, justement, c'est peut-être pour ça que je suis aussi fluide. Donc, on peut voir que de loin, le terrain est pas très très joli, hein, même de près. C'est un peu flou. Donc ouais, j'aurais pu faire mieux en graphisme, c'est vrai. D'ailleurs, on va pas passer un QNH local. Air France 455 pendant ta proche. Qui est de, j'ai oublié d'aller le voir. Ouais, ça sera plus rapide par l'application. Alors toujours pas, j'en fais 0105. Tac. Donc QNH 1021. Tac. 1021. Parfait. Allez, toujours pas. Et là on a les losanges de l'ILS qui ont paru. Donc celui-là il nous sert à savoir notre la descente qu'il faut. Et celui-là si on est bien centré sur la piste. Et donc la meilleure des choses ça serait de rester toujours notre barre vert ici. En plein milieu du losange et celle-là en plein milieu du losange aussi. Donc là pour réduire 220 nœuds. Même 210. Voire même 200. Ouais, il fait que changer de vitesse à chaque fois, c'est moi. Air France 455, dans ta poche, voilà. Vous m'entendez. On est sur le lock, on peut activer notre mode approche et le deuxième autopilote pour être plus précis. Donc avant 455, je disais prévoyez 03 sur Nantes et continuez sur Luzon. Voilà. Prévoyons 03 sur Nantes et continuons sur Luzon Air France 455. Et là on va lui dire qu'on est établi. Air française Lima Papa, on est établi LS piste 03. Air française Lima Papa à la tour, 118-150, bonne arrivée. Avec la tour 118-150, merci du contrôle, bonne soirée à vous, à bientôt.
650, c'est pas 150. Donc là, on va sortir les flaps, sinon on va décrocher. Oula, non, j'ai mis flapful. C'est flaps 2. Voilà. Donc la tour, elle est ici. 118 et 150. Bien sûr, et là, on va lui dire qu'on est établi. Autorisé à l'atterrissage, hôtel Papa Whisky. Là, comme vous pouvez le voir, on a un avion sur le TICAS. On va réduire à 160 nœuds. Air France 452, c'est le dernier à 1652, à niveau piste 03, et attendez. 150 nœuds. Et on fait une ligne, on attend 03, Air France 452. Ça sera fait. Tiens, regarde là. Ok, vous y êtes, Papa Whisky, c'est possible de dégager par Charlie, s'il vous plaît. Voilà, on va regarder la TIC, il est bien. Dégageons par Charlie. C'est parfait. Air France 16, Lima Papa, Nantour, bonsoir monsieur, on est établi à l'ES piste 03. Air France 16, Lima Papa, numéro 2, derrière un Cessna 172, en approche piste 03. Numéro 2, après un Cessna, et on l'a au TICAS, Air France 16, Lima Papa. Hôtel Papa Whisky passe avec une note seule sur la classe 165. Voilà. Donc là vous pouvez voir, là on a le petit Cessna qui est devant pas nous, on l'a au TICAS, donc c'est bon pour l'instant, je l'ai pas encore en Air visuel. France, Air France 457, vent 30 degrés, 7 nœuds, autorisé décollage immédiat. Attendez, décollage immédiat, piste 03, France 457. Ok, hop. Cessna 90 kg. Autorisé atterrissage, piste 03. Attention, un trafic au départ, piste 03. Bon, là, on va. Le contrôleur de la tour, j'ai bien peur qu'il gère pas très bien. Donc, je vais réduire vitesse minimale d'approche pour les spécialistes. Et non, si vous voulez un peu plus d'informations, le trafic est au départ, voilà. Piste 03. On va mettre la foule. Et on a une magnifique vue sur le petit lac juste avant l'aéroport. Et donc, là, il va sûrement nous dire autorisé atterrissage. Donc, comme je vous ai dit au départ, on fait piste 03. Autorisé atterrissage et après les vents, comme d'habitude. Donc là, on attend un petit peu. Je vais laisser l'autopilote pour lui reparler après, ou si jamais il faut go around, si le Cessna n'arrive pas à aller assez vite. Mais ça a l'air d'être bien parce que je l'ai plus au TICAS là, je sais pas où il est. Donc je pense qu'il est disposé. Ah, il est censé être juste devant moi. Là, je vais réduire vraiment minimal d'approche, sinon je vais. En vrai, je vais rentrer dedans. Confirmer autorisé atterrissage 03. Et je confirme atterrissage 03, non, on va brûler kilo. Alors, j'ai minimal d'approche, mais pour moi, à la limite de décrocher. Et en France 457, parti avec Nantes approche à 24-430. Bon, voilà vous, monsieur, au revoir. On passe avec Nantes approche, merci de votre contrôle, au revoir, bon après-midi. Air française Lima Papa, on approche 5 nautiques finales. Air française Lima Papa, 03 autorisé atterrissage, vent 30 degrés, 7 nœuds, rappel, clinage 10-21. Piste 03 autorisé atterrissage, Air française Lima Papa, merci. Hop, c'est bon, il m'a autorisé à atterrir, donc j'ai enlevé mon autopilote. Et c'est ce moment où Kilo, c'est possible de dégager par Charlie, s'il vous plaît. On expédie 90 kilos. Tac. Non, on voit kilo après avoir évacué la piste par Charlie, contactez Nantes sur le 121-655. Voilà, je vais essayer de faire un bel atterrissage pour vous, et je vous garantis rien du tout. 65, le sol, en plus, ça me gratte le nez là, comme par hasard en finale. Ah, bientôt, non, on voit kilo. Voilà, pour l'instant, on est bien. Ah non. Et après, je ma papa, est-ce que je vous ai été autorisé à atterrissage piste 03? Je m'en rappelle plus. Affirme, la française, dis ma papa. Eh ben, Air France, ma papa, c'est parfait. Hop. On va utiliser la touchdown zone. Ouais, je suis un peu rapide. Je vais dire un peu. Oula, je suis trop vert. Allez, hop, on arrive. On coupe tout et on arrondit et on touche. Si j'y arrive. Hop, on arrondit. Voilà. Hop, on met nos reverse. Il reste bien Centerline. C'est bon, ça dissèle. C'est parfait.
On a un petit 320 et Jan à la droite. Et on va dégager directement là. Hein. Manuel braking, orange reverse. Et on va pouvoir dégager la piste. Bon, franchement, l'atterrissage était pas si mal. Hein. Je m'attendais à pire. Hop, je démarre mon APU. Et je vais attendre au point d'attente parce que sinon je vais me manger. Oula, il y a un Cessna. Et là. Il y a Française Lima Papa, on n'a pas entièrement dégagé la 03, on a un Cessna devant nous. Air Française Lima Papa, c'est correct. Je passe avec le sol 121 655. Je vais appeler le sol pour voir ce qu'il fait avec le novembre kilo. Pas de soucis, on passe avec le sol 121 655. Merci, contrôle, bonne soirée. Merci à vous aussi. Hop, et là on passe avec le sol. Ça va, il fait avancer le Cessna. Au moins qu'on puisse passer la ligne jaune pour dire que la piste a été vacated. Bien, on s'est avancé malgré votre clairance. On a visuel sur le trafic gauche-droite pour laisser un trafic qui pousse derrière nous. Reçu, et bien novembre kilo à gauche et vous pouvez rouler et maintenir novembre Roméo 3. Ah, parfait, merci le Cessna. À gauche et on maintient Roméo 3, novembre kilo. Parfait, comme et ça c'est bon. Vous pouvez déjà présent rouler parking aviation générale. Comme ça on a pu bouger, on a pu dégager les pistes. À gauche, India, 90 kg. Je pourrais éteindre mes strobes. Tac. Je sais pas. Je suis passé. Vraiment dégagé pour l'autre avion qui arrive. J'aurais peut-être dû. Lima Papa en fréquence. Air Française Lima Papa dans le sol. Bonsoir monsieur, on est avec vous. On a. Dégagez la 03. La Française Lima Papa, bonsoir, roulez porte numéro 2 via Roméo. Et on roule porte numéro 2 via Roméo, la Française Lima Papa. Tac. Hôtel Papa Whisky, donc, vous porte 2. Le roulage à droite sur Roméo vers le parking aviation général. Rappelez pour quitter. Tac. Et voilà. Reprenons le roulage, Hôtel Papa Whisky. Et Brésir 48, Jet Lima, ça a coupé, est-ce qu'on pourrait répéter? Oui, Brésir 48, Juliette Lima, non, la porte est juste je vous écoute pour vos intentions. Brésir 48, Jet Lima, un DR400 au parking, 4 personnes à bord avec l'information écho à destination de Rennes. Brésir 48, Juliette Lima, reçu la piste 03 en service QNH 1021, transpondeur 3710, 37 unité 0. Voilà. Prévoyez une sortie de la porte 0 du juste devant. Chantier et rappelez prêt au roulage. On va s'y parquer directement, on va éteindre notre landing light pour pas leur défoncer les yeux. Et on va essayer de faire la porte. Brésir 48, Juliette Lima, la piste 03 en service QNH 1021, je transponde 37 unité 0 et la sortie sera novembre 8 1500 pieds. D'ailleurs, moi j'ai même pas rangé mes flaps. Ouais. Dis, est-ce que la tour de Nantes est toujours connectée? Il me semble, hein. J'étais avec elle il y a quelques minutes. Donc, Nantes approche est déconnectée, du coup là j'ai aucun contrôle. Attends, moi là je viens juste d'arriver à ma gate, c'était un peu le bordel au sol, il y a des avions partout, mais c'est bon. Ouais, c'est que je reste par arriver à Webben. Mais du coup, le gars il m'a laissé, il m'a dit Nantes Tower, mais Nantes Tower répond pas. Tiens, continue à ce moment. Enfin, quand. Et voilà. Et donc. Alors, double émission, donc Alpine 5 96. Beacon off. Et merci à vous, et idem, Fox Echo Charles, vous pouvez quitter la fréquence. Bonne soirée à vous. Je vais faire opérer Jetway. D'en contacter. Et je vais lui dire. Donc là, les amis, vous voyez, on a tout fait le petit roulage, on est à notre gate, et là, je vais lui dire que je suis prêt à quitter la fréquence. Et là, on va pouvoir passer une com et on va faire notre petite outro. Donc là, on attend que nos moteurs s'éteignent. Hein. Faire un petit branding ou pire. Voilà, passerelle à bugger, visiblement, ça m'étonne pas. Et Brésir 48, c'est de Lima après au roulage.
Voilà, on va l'appeler via la tablette, ça marchera. On va aller vers 48, Juliette Lima, roulez Roméo 5, aussi. Roméo 4 et un négatif, roulez Roméo 5 et maintenez avant EcoSoup. On va dire 58 Lima, on roule au point d'attente Roméo 5 et on maintient avant Echo. Il y a Française Lima Papa, on est dans les cales pour quitter. Air Française Lima Papa, bienvenue en Inde, vous pouvez quitter la fréquence, merci à vous, au revoir. Il y a pas Cinecom 120 décimal 8, merci du contrôle, bonne soirée à vous, à bientôt. Et donc voilà. Et là maintenant on peut passer sur Cinecom, on sera plus tranquille. Et donc voilà, c'était tout pour cette petite vidéo, hein. Donc savoir comment on fait un vol IFR sur EVAO, donc là vous avez tout eu, le départ, le repoussage, le roulage, l'approche, l'atterrissage, le sol, tout, vous avez tout eu. Donc comme vous pouvez le voir, c'est vraiment pas compliqué, hein. Vous avez juste à répéter ce que vous dit le contrôle. Sur ce, bah, moi je vais attendre Giovanni, hein, il devra arriver d'ici quelques temps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, j'espère qu'elle vous aura aidé, et c'est au plaisir de voir une nouvelle personne sur EVAO. Surtout, n'hésitez pas, hein, si vous êtes timide, tout ça, vous inquiétez pas. Si vous faites des erreurs, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Même moi, regardez, j'en ai fait pas mal, hein, dans cette vidéo. Ça, quand on a pas mal d'heures, ça arrive de faire des erreurs. Donc, c'est vraiment pas grave, hein, ils vont pas vous taper dessus, les gens, vous inquiétez pas. Je tiens à remercier tous les nouveaux arrivants sur la chaîne, hein, ça fait plaisir de voir autant d'abonnés. N'hésitez pas donc à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde!